Le lion. Et le lion. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps la veille d'un jour férié pour être présent si nombreux ce soir. Vous avez vu que, indépendamment de notre désordre habituel et récurrent, nous avons été surpris par l'affluence, surpris et émus. À vous voir ce soir, si nombreux, contre toute attente, puisque chacun sait dans quelles conditions matérielles nous avons préparé cet événement, si mobilisés, si décidés à créer demain un événement politique majeur dans l'ensemble de la Corse, eh bien je dis, avec Romain, avec Luce, avec Frédéric, avec Xavier, et bien sûr, avec Antoine et avec Gilles, que cette fois-ci, je vous le dis, nous serons au rendez-vous. Tout de suite. L'enjeu, c'est gagner, tout simplement. Nous n'y allons pas pour témoigner ou pour porter uniquement des idées, nous y allons pour les incarner, pour les concrétiser, et demain, pour porter la voix de la Corse au Palais Bourbon. Donc nous serons présents, nous sommes présents dans cette optique, sans concession, sans reniement, mais au contraire avec une campagne très offensive et très dynamique, et je crois que le rassemblement d'aujourd'hui est là pour en témoigner. C'est la première fois qu'à l'occasion d'une élection législative, ce discours est porté avec autant de force. C'est la première fois qu'à une élection législative, ce discours est porté avec la possibilité très sérieuse, si nous en donnons les moyens, de gagner. Notre présence, elle n'est pas seulement pour défendre les intérêts de la première circonscription de Haute-Corse ou de la deuxième circonscription de Corse du Sud. Pour nous, la Corse, elle est une. Il n'y a pas quatre circonscriptions, mais un pays, une communauté qu'il convient de défendre et dont il faut porter les espoirs avec énergie et vigueur. Nous ne sommes pas dans des logiques de canton. Nous n'étions pas l'an dernier, puisque du Cap à Bonifacio, nous avons fait campagne ensemble. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans des logiques de circonscription, puisque de la même manière, avec la même énergie, nous faisons campagne partout. Donc au-delà de Gilles et de moi-même, qui sommes, par la force des choses, je dirais, les candidats, entre guillemets, les plus en vue, mais c'est très relatif, Xavier sur Corti-Valagna, Romain avec Luce sur, je dirais, la circonscription d'Ayach, n'en sont pas moins que nous, au contraire, ils sont tout autant porteurs d'un message fort, et tout autant que nous, ils incarnent cette volonté de changer les choses et d'offrir une alternative à tous les Corses. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination, est-ce qu'on peut offrir dans l'espace public, notamment dans l'enseignement, un accès généralisé à la langue corse? Appelez ça, si vous voulez, l'enseignement obligatoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une entreprise pour offrir une entreprise aux jeunes. Je demande, vraiment, de faire innovation. Je suis fier d'être à côté de Gilles Siméon aujourd'hui pour ce combat. Je suis fier de la société de Gilles Siméon. À tous les familles, à tous les assistants, à tous les emplois. Voilà, c'est la vie. Les présidentielles aujourd'hui ont offert un paysage politique nouveau. On entend dire ici ou là qu'il conviendrait maintenant de donner à la droite une revanche ou à la gauche une majorité parlementaire un peu plus large. Nous ne sommes pas, nous, dans cet état d'esprit. Nous disons simplement qu'il faut donner des députés à la Corse, qui, le moment venu, se détermineront, choisiront, je l'espère, au terme d'accords politiques, un camp plutôt qu'un autre, mais agiront de concert avec le plus grand nombre pour porter la voix de la Corse. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même logique entre ceux qui veulent prendre une revanche et ceux qui veulent conforter une majorité. Nous, nous voulons porter la voix de la Corse. Je vous le demande au nom des combats qui ont été livrés tout au long des décennies écoulées. Je vous le demande au nom des plus jeunes, de ceux qui, nombreux, ici et ailleurs, attendent de nous que nous soyons au rendez-vous de l'histoire. A un monde à nome bobo lo gorso. Di quelli che di voi l'anno e l'anno si votano perché su paese ha più la bagna. Allez et portez ce message d'espoir et dites à chacune et à chacun de ceux que vous rencontrerez que cette fois-ci le moment est venu, que la Corse va avoir des vrais députés, des députés de la Corse et des gens qui demain à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon se battront pied à pied pour représenter véritablement vos intérêts. Ce qui serait important, c'est deux choses.
premièrement notre capacité à convaincre plus encore, y compris au niveau de l'État, dont nous voudrions qu'il soit plutôt un partenaire qu'un adversaire, qu'on peut régler le problème corse par le dialogue, par le projet et par l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et d'idées. Et deuxièmement, qu'il faut pour cela des députés au Palais Bourbon. Portez ce message. Faites les 3 semaines qui viennent autant d'instants de progrès, de combat, de mobilisation, d'implication. Et faites qu'au soir du 18, ou plutôt au matin, quand nous aurons gagné, vous puissiez dire toutes et tous, Anouintu, Maïe Ndegoïe, Chisopé Kerkoz, et à travers mon implication, à travers mon soutien, à travers mon engagement, j'ai donné à la Corse les députés qu'elle mérite.